Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. José, bon début de semaine. Non, ça commence pas bien encore, ta barouette. Je suis arrivée de bonne humeur pourtant. Ah oui? Qu'est-ce que se passe-t-il? Moi, je vais vous faire une confidence. Laquelle? C'est... Je suis pas une bonne animatrice, là. Le dimanche, j'ouvre pas le journal. Le dimanche, moi, je profite de ma journée, je décroche. OK? Oui. Et évidemment, le lundi, j'ouvre mon journal, etc. Fait que là, on s'appelle. Puis en plus, je vous propose un sujet quand même relatif à ce qu'on va discuter tantôt. Mais là, c'est vous qui m'amenez l'information. T'as-tu lu le journal hier? Non. La nouvelle, 10 ans, qu'entre 2008 et 2018, donc en 10 ans, le nombre de mineurs qui ont consulté pour tentative de suicide ou idée suicidaire a connu une hausse, pas de 10 % pas de 20 % de 358 % Je vous le dis, là, je trouve ça épouvantable. D'une tristesse absolue. Puis moi, ce qui est particulier, c'est que je pensais faire un... Mais il y a quand même un lien. Parce qu'il y a une vidéo qui est devenue virale la semaine dernière. Et il y a des auditeurs qui nous ont écrit en messagerie privée sur la page Doc Mayou et José pour nous suggérer d'en parler. Je vais juste l'effleurer, là, parce que ça, c'est la pointe de l'iceberg, mais ça reflète. C'est un jeune homme de 25 ans, il s'appelle Kevin Roy. Et lui, il a vraiment des troubles d'anxiété. Puis il a fait une vidéo pour expliquer aux gens c'est quoi qu'il ressentait, le souffle court, etc. Dort pas, prend des médicaments. Ça a toujours été comme ça, mais là, ça devient de pire en pire. Puis là, ben lui, il dit qu'il a eu une grosse peine d'amour, de la difficulté à garder ses jobs. C'était pas facile à vivre. Bref. Et là, ça s'est partagé. Je pense que ça a rendu quasiment 15 000 partages. Beaucoup de gens l'ont réconforté. Mm-hmm. Puis moi, je vis la même affaire. Et là, vous, de dire, bien, José, c'est épidémique. Et là, on en a la preuve. Ouais. C'est épidémique pour un homme de 25 ans, mais ça a dû commencer avant 18 ans, là. Là, ce qu'on voit là, là, c'est... Imaginez, c'est des jeunes de 18 ans et moins... qui se présentent, exemple, à l'urgence de l'hôpital de Montréal parce qu'ils ont fait une tentative de suicide ou ils ont des pensées suicidaires, puis c'est les parents qui les amènent là, possiblement en panique. Oui. Alors que l'urgence, le pédiatre urgentologue nous révèle, si ces chiffres, ces statistiques sont bonnes, nous apprend que l'urgence n'a pas connu une augmentation de son achalandage. Ouais, c'est pas parce que le monde va plus à l'hôpital en général. Oui. L'urgence, dans les 10 dernières années, a toujours, à chaque année, le même nombre de clients. Mais il y a une clientèle qui a augmenté de façon spectaculaire et extrêmement inquiétante. Les jeunes de 10 à 18 ans, les mineurs, qui ont fait des tentatives de suicide ou eu des idées suicidaires. Il eût été important de connaître le ratio garçon-fille. J'aime toujours distinguer entre les garçons et les filles parce que ça peut nous amener sur des pistes de réflexion. Un. Deuxièmement, comment expliquer une augmentation au Montreal Children's Hospital, à l'hôpital de Montréal pour enfants, un bond, une explosion en 10 ans de 358 %. C'est du jamais vu dans l'histoire des hôpitaux du Québec. Écoute, c'est unique, là. Puis le nombre, tu sais, c'est une chose de se présenter, mais le nombre de jeunes patients hospitalisés pour ces problèmes-là a presque triplé aussi. Fait que c'est pas juste, là, se faire des peurs, là. Ça veut dire que le médecin, OK, voit le sérieux de la problématique, on hospitalise. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans notre nation? Qu'est-ce qui se passe avec nos jeunes enfants? Là, c'est pas les adultes, là, les jeunes enfants. Et il y a différentes explications qui ont été tentées.
certaines bordant le ridicule. Mais là, il y a quelqu'un qui avance, c'est à cause des réseaux sociaux. Tout le monde avance ça. Pas compliqué, là. Tout le monde avance ça. On est dans l'insignifiance consommée, là. Et les réseaux sociaux font bondir le taux de détresse psychologique de toi, Alain, le taux de désespoir de 358 %, c'est, non, non, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui se passe? Mais peux-tu le demander? Parce que aujourd'hui, moi, je vais vous dire mes souhaits. J'ai tout à mes souhaits. Là, quand je... Allons-y. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait des parents qui ont des enfants très anxieux, qui ont eu peut-être des tentatives, des pensées. S'ils veulent nous appeler, là, c'est le matin pour le faire. On va vous écouter. Moi, ça m'intéresse d'entendre ces parents-là. Puis les parents d'enfants concernés, là. Exact. Exactement. J'aimerais ça, moi. Entre 0 et 18 ans. Exactement. Et 17. Exactement. Parce que là, c'est une chose d'y aller avec les hypothèses, là. Mais je pense que ça va être encore mieux de parler avec des gens qui sont en train de le vivre, là. T'sais, on en a eu, là, je vais en lire une là, qui a écrit sur Facebook là, que son enfant a eu des pensées suicidaires. Mais ça serait vraiment très... je peux même le lire tout de suite. Là. Oui. Elle, Christa, elle a dit « L'intimidation est très présente dans nos écoles. Ma fille de 10 ans a fait une tentative de suicide en décembre. Elle n'avait que 9 ans. Ils l'ont gardée 3 jours en isolement à l'hôpital, section pédiatrie après évaluation. Ils nous ont donné le congé. Ils n'ont même pas donné de direction ni où je devrais aller chercher de l'aide. Aucun suivi. Je trouve ça déplorable. » Mais là, vous, ça serait intéressant, quel genre d'intimidation, comment ça se passait, etc. T'sais, ce serait le fun d'aller plus... Bien, pas le fun, là, mais ça serait intéressant d'aller plus loin par rapport à ça. Oui. Mais une question... Oui, merci. Mais ce que je veux dire, c'est que par texto, tous ceux qui pensent que c'est à cause des réseaux sociaux, et c'est la majorité, là, en quelques mots, là, pas un roman, là, je pourrais pas vous lire si vous écrivez des romans, là. En quelques mots, moi, j'aimerais ça concrètement. C'est quoi votre équation? Réseaux sociaux égale tentative de suicide. C'est quoi le lien concret? Pas de ce que vous pensez, là, de ce que vous avez vu, de ce que vous avez... Constaté, là. Ouais. Pas à cause qu'un tel a raconté que date de 10 ans, là. Moi, je veux du concret. Quelque chose qui est arrivé. Une preuve de ce que vous avancez. Parce que c'est tout le temps les réseaux sociaux... Mais il n'y a jamais rien de concret. C'est quoi l'affaire du réseau social? Oui. Bon. Ce matin, qu'est-ce que tu dirais si on en profitait pour déboulonner un mythe qui a été galvaudé principalement par Gilles Proulx et plusieurs autres? C'est-à-dire, on a essayé de nous vendre la salade infecte qu'au Québec, c'était le règne de l'enfant roi. Vous savez, 2008 à 2018, il faudrait informer Gilles et sa cohorte qu'il y a eu un bond catastrophique de jeunes, d'enfants et d'adolescents désespérés. Alors, son règne de l'enfant roi, il peut aller se torcher avec. On n'en reparlera plus, là? Non, c'est mais clair? En tout cas, s'il était roi, il n'y aurait pas autant de tentatives puis autant de consultations pour... des pensées suicidaires, on s'entend? Bon, on s'entend. Alors là, ça vient d'où, cette histoire-là? Par contre, au niveau de l'anxiété, deux choses. Il y a des êtres humains qui ont un tempérament anxieux. Il y a des êtres humains qui n'ont pas de tempérament anxieux et qui sont devenus extrêmement anxieux. Pourquoi? Comment on fabrique un petit être humain pour qu'il devienne à ce point déséquilibré qu'il soit dysfonctionnel au quotidien? La peine d'amour, c'est souvent évoqué. Est-elle une peine provoquée par quelqu'un qui ne veut plus de vous? Ou par quelqu'un qui n'a pas voulu de vous quand vous en aviez besoin? N'est-ce pas bien enrobé? Il y aurait un transfert.
Si ce n'est pas suffisamment clair, j'expliciterai. Parce que des gens qui réagissent très fortement à une peine d'amour. Très, très. Est-ce la perte objectale contemporaine? C'est-à-dire, est-ce que c'est la personne qui vous floche? Ou quelqu'un d'autre qui aurait dû s'occuper de vous et qui ne l'a pas fait? On va aller à la pause dès maintenant. Oui. Vous pouvez nous texter. Mais aujourd'hui, ça va être très important que vous nous parliez. En avez-vous un enfant qui a fait une tentative de suicide, qui a eu des pensées suicidaires? Moi, j'aimerais ça qu'on en parle avec vous. Est-ce que vous êtes c'est paradoxal, là, mais est-ce qu'un parent peut être totalement objectif aussi? À savoir le pourquoi. Ou est-ce que le pourquoi peut diminuer, voire même omnibuler le rôle? Pas facile ici, non. Là. Non. Alors, chaque cas a des particularités. Mais, parfois, il y a des points communs. On va la pause là-dessus. Ça frappe dans le dash, en bon québécois, la nouvelle d'hier. Bah oui, c'est quoi? C'est catastrophique. Augmentation de 358% des consultations à l'hôpital pour pensées suicidaires et tentatives de suicide chez les 18 ans et moins. On a ici quelqu'un qui nous a texté « Je suis préposée aux bénéficiaires dans un hôpital à Québec à l'urgence. Il y a très fréquemment des surveillances à faire concernant des jeunes à risque de suicide. J'en ai déjà surveillé 4 dans la même soirée. » Entre parenthèses, surveiller égale confiner le patient dans un cubicule et faire une surveillance constante. Mmh. On va aller au téléphone. On a Marie qui est avec nous. Bonjour, Marie. Bonjour. Oui, Marie, on vous écoute. Oui, c'est mon fils qui m'avait dit qu'il voulait se suicider. Mm. Il était au début de secondaire, mois de septembre. Fait que ce que j'ai fait, mon mari était au travail, je l'ai appelé. Il dit « Appelle l'école privée tout de suite ». Il était au public. Puis j'ai appelé l'école privée. Puis ils ont dit il y a un délai d'attente de 5 jours s'il est accepté. Ça fait que je suis allée le voir, mon fils. J'ai dit, est-ce que tu es prêt à attendre 5 jours? Il dit oui. Puis 5 jours après, on l'a rentré à l'école privée. Puis ça a bien été pour son secondaire. Puis aujourd'hui, ça va très bien encore. Mais ça n'a jamais revenu. Comment se fait-il que d'après vous, que votre conjoint, je sais qu'on ne parle pas à la bonne personne. Oui. Mais la réponse du père a été, appelle l'école privée au plus vite? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y avait du harcèlement à son école. Bon. Vous étiez au courant? Non. Je l'ai su le même soir, là. Mais votre conjoint était au courant, c'est ça? Non, il n'était pas au courant non plus. Alors, comment vous expliquez? C'est arrivé il y a combien d'années, ça, Marie? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Et comment se fait... Avez-vous idée pourquoi votre conjoint au travail a réagi, appelle l'école privée au plus vite? Parce que c'est sûr que il se doutait peut-être qu'il y avait du harcèlement, mais il n'y avait rien à faire avec l'école publique. Je veux dire, c'est pas encadré pareil comme l'école privée. Il le savait parce qu'il avait été à l'école publique, lui... Il avait été au séminaire. Tout ce secondaire. Mais non, le séminaire, c'est une école privée. Oui, oui. Lui, il avait été à l'école privée. Ah, OK. Vous avez. Puis quel vous genre avez d'harcèlement votre fils y avait? Ben moi, j'arrivais, puis il y avait son thermos, puis j'avais acheté en métal. Là. Mm. Puis il y avait une bosse après. J'ai dit, semble que je l'ai acheté assez solide pour toi. Ça fait qu'il dit, j'étais obligée de me défendre avec. Pardon. Il dit, ils m'ont mis avec quelqu'un, avec un dans une case, là, avec un cadenas à chiffres, puis le gars, le jeune, là, il se souvenait jamais de son chiffre. Il dit, donne-moi-le, puis il dit, il parlait fort, là, il dit, je vais m'en souvenir du chiffre, moi. Ça fait que un grand qui est arrivé, puis il a essayé de défendre l'autre, là.
Puis mon fils, lui, ce qu'il a fait, il a pris, je sais pas où, sa boîte à lunch, puis il a frappé après. Là, je sais pas comment ça s'est produit exactement. Okay. Mais l'autre, il dit, maman, il dit, je vois rien que l'estomac était un grain. Ça fait qu'après ça, il était à cafétéria. Bon, assieds-toi pas ici, assieds-toi pas ici, assieds-toi pas ici. Ça fait que là, c'était ça durait tout le temps. Ça fait qu'au mois d'octobre, il mangeait dehors. Ça fait que quand il mettait du ça, là, c'était assez pour changer de goal. OK. Oui, je pense que vous soulevez un point important. Est-ce qu'il est possible qu'on ne surveille pas suffisamment les jeunes du primaire et du secondaire en dehors des classes? La question se pose. Excellent, Marie. Merci beaucoup, Marie, pour votre appel. Il y a plusieurs causes, dont celle-là. Le manque de surveillance des jeunes peut donner cours à des comportements destructeurs. Je vais lire le texto avant qu'on aille au téléphone. Okay? Les enfants sont moins nombreux, donc plus gâtés et plus protégés, surtout des parents séparés. On leur évite les déceptions et les émotions de tristesse. Résultat, dès qu'ils sont déçus, ils se sentent dépassés et ne savent pas comment faire face à l'épreuve. Vous savez, c'est une thèse qui, malheureusement, ne tient pas la route. Voyons. Les enfants plus gâtés et plus protégés, c'est un homme qui écrit ça, c'est pas une femme, ça doit être un homme, ça. C'est pas écrit. Ouais. Les enfants plus gâtés et protégés, donc moins adaptatif. Aïe, aïe, j'ai mal à mon intelligence, là, vous me faites mal. Mais on dirait qu'il y a une croyance qui... Tu sais, si je lis ça, là, je suis certaine qu'il y en a qui sont d'accord en passant. Là. C'est que... Mais on dirait qu'il y a une croyance que pour être fort dans la vie, il faut avoir eu des déceptions, il faut avoir eu de la peine, il faut avoir vécu des épreuves. Ben, ils n'ont pas tout à fait tort. C'est que il est du rôle des parents d'éduquer leurs enfants à tolérer graduellement un plus haut niveau de frustration. Le bébé, il tolère rien. Il crie, il hurle quand il n'est pas content. Et graduellement, les parents l'éduquent à attendre un peu. Mais là, on nous sert une salade infecte, chers amis. Comment se fait-il qu'en 10 ans, le taux de consultation à l'urgence de l'hôpital de Montréal pour enfants... augmentation de 358% pour ceux qui ne veulent plus vivre. Mmh. On va aller parler avec Patrick. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Patrick. Bonjour. Patrick, on vous écoute. Oui, moi, j'ai une fille que maintenant, elle est rendue à 18 ans, puis maintenant, ça va mieux, mais au primaire, à peu près en cinquième année, elle a commencé à avoir de l'anxiété, que ça a commencé à ressortir. Ça a comme débuté un petit peu avec... Elle a connu un grand-parent avec la maladie, avec la mort. Avec la mort de son grand-père, elle est comme devenue un peu craintive des hôpitaux, de la mort, tout ça. Puis là, il est arrivé un autre événement à l'école, qu'il y a une petite fille, soudainement, ils ne savent pas pourquoi, la petite fille, elle a tiré les cheveux énormément. Puis ça l'a traumatisée. Puis là, elle a commencé à faire comme des petites crises d'anxiété. Commencé à avoir de la misère, à avoir peur d'aller à l'école. Pourtant, une petite fille qui allait très, très bien à l'école, des très bons résultats, de meilleure de classe. Là, ça commençait à baisser, commençait à avoir peur de l'école, tout ça. Tout en temps, elle faisait des petites crises d'anxiété, commençait à avoir de la misère à aller dans les centres d'achat, des magasins, peur de sortir, commençait à avoir peur un peu de tout. À un moment donné, au secondaire, c'est empiré. Quand vous dites avec les réseaux sociaux, c'est pas ça qui fait ça. Non, par contre, pour ma fille, ça a accentué son niveau d'anxiété. Il y avait des programmes là, de... C'est pas des Facebook, mais des affaires où ce que le monde peut marquer des affaires anonymes. Là-dessus, il y a beaucoup de menaces puis tout ça. Elle était rendue qu'elle avait peur de sortir. Là, a commencé vraiment des plus grosses crises d'anxiété. Puis jusqu'au moment où, à un moment donné, à la maison, ma conjointe m'appelle, elle me dit « Roxane est en crise, viens-t'en. » J'arrive, puis ma fille se promenait en bougeant dans la maison. Elle avait plus la même voix. Et elle était vraiment dans une crise là, de panique. Puis quand on est arrivé à l'hôpital, ils ont dit que c'était comme une crise d'accent. Je ne sais pas comment ils avaient appelé ça. Fait que là, ils ont suggéré, là, ils ont parlé. Puis là, elle disait, je ne veux plus vivre avec cet état-là. Elle disait qu'elle ne voulait pas se suicider. Par contre, elle n'était plus capable de vivre
avec l'état qu'elle avait. Fait qu'ils l'ont hospitalisé à l'hôpital psychiatrique pour enfants une première fois. Puis là, ils l'ont diagnostiqué avec l'anxiété générale, une limite de phobie sociale. Puis comme je vous dis, t'as une accumulation de plusieurs choses, mais les réseaux sociaux ont vraiment accentué son état. Ah oui. Vous allez nous faire croire ça ce matin, Patrick? Pardon? Vous allez nous faire croire ça ce matin, que les réseaux sociaux ont accentué son état? Je vous le fais pas croire. C'est ce qui était, parce que dans le fond... Ben oui, c'est ce qui était. Vous en êtes convaincu, hein? Ben, j'en suis convaincu du sens que... Oui. Elle n'était pas capable de ne pas aller sur ces réseaux sociaux-là. Ah! Oh, elle n'était pas capable de s'en empêcher. Exactement. Puis ça lui faisait du mal quand elle y allait. On disait, ne va pas là-dessus. Et oui. Il y allait pareil. Oui. Bon, Patrick, j'ai une question pour vous. Oui. Son grand-père était malade. Oui. Puis elle est devenue craintive de la mort. Oui. Elle avait quel âge quand son grand-père est décédé? À peu près 11 ans. À 11 ans. Quel lien... Pardon. Quel lien avait-elle avec son grand-père? Bien, dans le fond, ma fille a toujours été proche de ses quatre grands-parents. Très, très proche de ses quatre grands-parents. Oui. En quel honneur? On a eu des grands-parents qui ont été contents d'être grands-parents. Ils sont occupés beaucoup de nos enfants. Ben, ouais. En réalité, pas juste de nos enfants, des enfants de toute notre famille. Oui. Pendant le temps que les quatre grands-parents s'occupaient de votre fille, oui. Où était votre conjointe? Elle souvent était là aussi. Non? Souvent, mais pas tout le temps. Elle était où? Ben, je veux dire, des fois, soit qu'on avait une sortie, soit que les grands-parents venaient à la maison, mais c'était beaucoup des affaires de famille. Nous, souvent toute la famille ensemble. Oui, ça, on n'en doute même pas. Oui. Comment se fait-il que votre fille, à 11 ans, devient craintive de la mort parce que le grand-père, qui avait quel âge, soit dit en passant? Dans la soixantaine, décède. Comment se fait-il qu'on permet à un enfant de développer un pareil lien d'attachement à un grand-parent? Expliquez-moi ça. Mais je vais vous dire, elle était affective pas juste de ses grands-parents. Avant même son grand-père, son chat est mort. Puis même, c'était avant son grand-père, puis son chat est mort. Elle a comme été dans une dépression juste pour le chat. Bon, on y arrive. Là. Quel âge avait-elle lorsque le chat est mort? Une dizaine d'années. Elle avait 10 ans. Ça vous a pas remis en question un peu? Un enfant de 10 ans perd son chat puis plonge dans une dépression. Elle n'était pas encore sur les réseaux sociaux, là. Non. Ben, chat est mort, dépression, chez l'enfant de 10 ans. Problème est où, mon cher Patrick? Je sais pas. Et vous êtes-vous posé la question? La réponse, c'est non, vous n'êtes pas posé la question. Quel rôle avez-vous joué auprès de cet enfant-là, à part d'être figurant? Je vais vous dire, parce que vous ne connaissez pas la situation, on s'est occupé très, 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 très beaucoup de ma fille. Oui, j'en doute même pas. Vous étiez tellement... Il y avait les quatre grands-parents. Vous étiez six à vous occuper d'elle. Est-ce que je me trompe? Oui. Non. Y avait-tu une gardienne avec ça? Non, elle est allée à la garderie normale dans le temps, mais il n'y avait pas vraiment de gardienne. À partir de quel âge elle est allée à la garderie? Elle est allée elle a commencé à 6 mois. Bon! Jusqu'à temps qu'elle aille au primaire. Alors, combien, à l'âge de 6 mois, a été dompée dans une garderie? D'État ou familiale? D'État. Bye, Patrick. C'est assez pour aujourd'hui. OK? Bonne réflexion. Si vous n'avez pas compris, au moins, vous allez savoir qu'il y a quelqu'un qui s'interroge sur votre comportement. Bye. 6 mois, dompé dans une garderie d'État. 4 grands-parents, supposément, qui se l'arrachent.
deux parents supposément qui se l'arrachent, ça commence à faire du monde à la messe. Qui c'est qui s'est occupé de cet enfant-là? Qui s'est occupé de cet enfant-là? Trop, c'est comme pas du tout. C'est ça que vous voulez dire, là. Il n'y en a pas. Ben oui, le nombre dilue. Sais-tu qu'est-ce que c'est? C'est de la soupe à l'eau. Pas de la soupe à l'orge, de la soupe à l'eau. Et ça, les pauvres connaissent ça, de la soupe à l'eau. Savais-tu ça? Prenez une carotte, un oignon, puis une patate, puis... Faisais la semaine avec quelques petits morceaux de... Ça m'a été raconté, c'est d'une tristesse inouïe. De la soupe à l'eau. De l'eau qui a bouilli avec quelques petits morceaux de légumes dedans. De la soupe à l'eau. Hein? Est-ce qu'il est possible que la fille de Patrick ait passé son enfance à boire psychologiquement de la soupe à l'eau? J'aimerais ça qu'on revienne là-dessus, autour de la pause. Parce que là, tu sais, juste pour vous donner une idée, là, je vous lis un texto. Très plaisant pour les auditeurs de téléphoner et de se faire clencher par le Doc Mayou. Mais à la place d'avoir cette réflexion-là, moi, je pense qu'il y a de quoi à apprendre de l'histoire de Patrick. Même lui, Patrick, là, je pense qu'il aimerait ça vous entendre davantage. Lui, dans sa tête à Patrick, je suis convaincue qu'il dit, voyons, on avait tout, mon enfant. Avait des grands-parents qui l'aimaient, nous autres, on était là. T'sais. Fait que, question juste d'amener la réflexion encore toutes plus poussée. Toutes les gardiennes poussée, de la garderie, là, à partir de l'âge de 6 mois, cet enfant-là a été gâté. Protégé. OK? Mais on, oui! On y revient au retour de la pause. Bon, on va revenir sur l'intervention de Patrick tantôt. OK? Patrick, quand il a commencé son appel, parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui viennent de joindre à nous, là, il est 10h03, il y a une nouvelle terrible dans le journal d'hier, qui nous apprend qu'il y a une augmentation de 358% de gens qui se déplacent à l'hôpital pour des tentatives de suicide ou pour des pensées suicidaires. Puis quand je dis des gens, là, je parle de jeunes de 18 ans et moins. Patrick, il nous parlait de sa fille, que les réseaux sociaux, ça a accentué ses pensées-là, son anxiété, etc. Au début, Patrick nous disait que la mort du grand-père l'a affecté. Après ça, on apprend que la mort du chat précédemment l'a affecté. Et là, Doc Mayou pose la question. Y avait-tu des gardiennes en plus? Elle était super proche de ses 4 grands-parents. Elle était en garderie à partir de l'âge de 6 mois. Les parents étaient également impliqués. Et vous, vous avez dit, c'est comme de la soupe à l'eau, toute cette histoire-là. Expliquez-vous davantage, parce que le monde ait la réflexion là, de comprendre pourquoi vous dites ça. Tu as mentionné quelque chose tout à l'heure, José. Tu as dit trop, c'est comme passé. Hein, il y avait tellement de monde autour de cet enfant-là qu'il n'y a personne qui a établi un lien significatif avec elle. Si ce n'est le chat. Je soupçonne la fille de Patrick d'avoir établi le plus fort lien émotionnel avec un chat. Alors que dompé en CPE à 6 mois, donc plein de femmes qui s'en sont occupées, 4 grands-parents qui se l'arrachaient, 2 parents qui se l'arrachent. Mais dans le fond, là, tout le monde se l'arrache, mais il n'y en a pas un qui a osé faire une soupe psychologique nourrissante, nutritive. Créer un lien affectif. Quelle est la femme... Quelle est la femme qui a osé cuisiner une soupe dense et nutritive sur le plan psychologique pour la fille de Patrick? José, je me confesse, je suis un scélérat. Alors, chères auditrices, n'écrivez pas que je suis un scélérat. Je le sais. Je m'en confesse. Je suis un scélérat. Il y en a sûrement en passant qui sont à l'écoute aujourd'hui puis qui sont dans la jeune vingtaine puis qui pourraient nous parler de leur épisode qu'ils ont vécu il n'y a pas si longtemps. On en a des jeunes auditeurs. La fille de Patrick? Ben oui, elle a 18 ans aujourd'hui. Elle a 18 ans.
Mais s'il y en a des jeunes à l'écoute qui veulent en parler, essayer de le comprendre, le pourquoi. As-tu remarqué quelque chose? Patrick nous a fait une révélation. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Il a dit beaucoup de choses en peu de temps. Des choses significatives. Il nous a dit, à l'adolescence, ma fille ne pouvait pas s'empêcher d'aller sur les réseaux sociaux. Sachant, expérimentant, sentant que ça lui faisait du mal. Je vous le présente, chères auditrices, comme une petite soie dentaire à vous passer entre les dents. On a une éducatrice spécialisée sur l'unité infantile et ado en psychiatrie qui nous a écrit. Oui. Elle dit, les enfants sont épuisés, en lettres majuscules. Trimballés de tous bords, tous côtés, entre les maisons des parents, les parents sont absents de corps et d'esprit, aucun cadre à la maison ou trop de discipline négative. Ils sont laissés à eux-mêmes sans direction. On est dans les extrêmes. Les enfants sont perdus, mêlés. Ils viennent hospitaliser quelques semaines dans un cadre prévisible avec des limites claires et soudainement, les jeunes vont beaucoup mieux rapidement. Il y a quelqu'un qui nous a écrit tout à l'heure, un auditeur, qu'il y avait moins d'enfants, mais ils étaient plus gâtés, plus protégés. Et là, veux-tu pas qu'on a une éducatrice spécialisée qui est témoin du contraire? Parents absents? De corps et d'esprit. De corps et d'esprit. Elle oubliait le cœur. De corps et d'esprit. Le cœur, je ne sais pas. Et avec une discipline négative. Tiens, tiens, tiens. Mais de quoi parle-t-elle, discipline négative? Où sont tous ceux qui prônent les standards de l'autorité envers ces morveux qui doivent apprendre à obéir aux ordres et aux consignes? On va aller au téléphone. Ça barre de matin. On a Jessica qui est avec nous. Bonjour. Allons-y. Oui, bonjour. Jessica? Oui? On vous écoute. Oui. Aujourd'hui, ma fille a 40 ans, mais à l'âge de 20 ans, elle a fait une psychose sans drogue. Oui. Et puis, c'est un enfant qui a été élevé, évidemment, en couple. Mon mari était alcoolique. Après ça, il a eu la sclérose en plaques. Oui. Elle n'a jamais, jamais été capable de dire « je t'aime » à son père. Jamais. Elle s'est approchée de lui. Oui. Puis lui non plus. Il était absent, mais présent. Il était présent, mais absent. Mais où est le problème? Vous savez, les grands... Elle a fait une psychose. Oui. Et, quand c'est arrivé, elle admettait pas ça, puis j'ai appelé la police. Après ça, j'ai fait faire une ordonnance d'internement. Jessica, c'est que, respectueusement dit, vous n'êtes pas du tout dans le sujet aujourd'hui, là. Pas du tout. Pourquoi? Bien là, on parle de psychose chez votre fille de 20 ans. C'est une maladie psychiatrique grave. Sans drogue, alors on peut soupçonner un épisode de schizophrénie ou de psychose maniaco-dépressive. Vous n'êtes pas dans le sujet. Qu'est-ce que... Puis le père, ben, peu importe si soit alcoolique ou les histoires de déclaration d'amour père-fille, vous savez très bien que je ne suis pas en faveur de ça, chère Jessica. Alors, c'est que... Oui. Vous avez des gens autour de vous, surtout les pères, qui vont jouer à la victime. Oui. Quand tu t'occupes, quand tu abandonnes une mère qui est soit maniaco-dépressive dans des situations, tu l'abandonnes. Alors, elle va partir avec son enfant pour pas qu'elle ait de la peine. Mais il reste que l'abandon, c'est laisser une personne qui est malade dans un état déprimé, c'est un problème de santé mentale. On n'est pas là aujourd'hui. On n'est pas là du tout. Alors, vous avez probablement manqué le début de l'émission. On va y revenir. Bien manqué, monsieur. C'est que probablement qu'à quelque part, vous n'avez peut-être pas écouté aussi ce que j'ai dit. Okay, on va se quitter là-dessus, Jessica. Merci beaucoup. Mais d'où nous vient cette agressivité? C'est pas une insulte. Elle nous parle d'une fille, sa fille, qui a 40 ans, il y a 20 ans. À 20 ans, elle a fait une psychose. Oui. Là, on parle des 18 ans et moins aujourd'hui, de pensées suicidaires, de troubles anxieux, etc. Mais c'est... José, d'où nous vient l'agressivité de cette femme-là? Comment se fait-il qu'elle est toute frue, là, puis elle furaxe?
Vous savez, on fait une émission ensemble. C'est pas un droit que vous avez de pogner le téléphone puis dire « Hey, toi, tu vas m'écouter, là, dans ce que j'ai à dire. » On essaie ensemble de comprendre des phénomènes humains. En tout cas, OK, je suis correct. Ouais. J'ai pas de problème avec l'agressivité des auditeurs, mais j'essaie de comprendre. La comprendre. Oui. Tu sais, tantôt, là, quand Patrick nous a parlé de sa fille qui, à l'âge de 10 ans, a perdu son chat. Oui. Puis qu'elle avait développé possiblement un lien plus fort avec le chat qu'avec tout autre adulte. Là. Oui. On est ici, femme 40 ans. Oui. Mon père s'est suicidé quand j'avais 6 ans. J'avais un chien depuis ma naissance. Ma mère a dû le faire euthanasier parce qu'on déménageait dans un logement. Je viens de comprendre de où je déteste ma mère depuis l'âge de 6 ans. Merci, chère auditrice. Merci. C'est pour ça qu'on fait l'émission qu'on fait. Et je vais lire Homme de 32 ans de Gatineau, oui. Il n'est pas content. Oui. Doc, peux-tu nous dire comment la faire notre soupe au lieu de dire que c'est de la soupe à l'eau? Car moi, je sais que je ne suis pas parfait et je veux être un meilleur père. Bon. Alors, la première règle d'un meilleur père, c'est un homme qui supporte la mère dans son rôle maternel. Je répète, un bon père, c'est un homme qui est d'abord très attentif à la mère de l'enfant. Sur toutes sortes de points. On va aller à la première pause. Le premier direct. Oui, allez-y. Oui, le premier direct et qui va favoriser le lien mère-enfant. Qui? Pas prendre la place de la mère, là. Pas la tasser. Et qui, si c'est un garçon, graduellement, vers 7, 8, 9 ans, va jouer un rôle beaucoup plus important auprès du garçon. Graduellement. Par contre, si c'est une fille, continuez à favoriser l'harmonie mère-fille. Jérôme a déjà pensé au suicide. Nous allons lui parler au retour de la pause. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. 358% d'augmentation du nombre de 18 ans et moins qui vont à l'hôpital, qui se font hospitaliser même, pour cause, pas juste d'anxiété, de tentative de suicide et de pensée suicidaire. On essaie de comprendre pourquoi. Oui. Et on fait appel aux jeunes qui l'ont vécu là pas si longtemps, là. Comme Jérôme. Bonjour, Jérôme. Bienvenue dans l'émission. Re-bienvenue en onde pour une nouvelle saison. C'est vraiment apprécié. Bonjour. Merci. Jérôme. Oui. On vous écoute. Donc, moi, j'ai eu une phase un peu suicidaire dans la début vingtaine quand j'étais à l'université. Puis, j'ai décidé de ne pas passer à l'acte. Puis, j'ai décidé de cibler plus le problème. C'était quoi? C'était une fatigue mentale due à la charge de travail à l'université. Donc, j'ai décidé de décrocher. Puis ça m'a, évidemment, ça a causé l'irritation de la famille et des parents qui mettaient absolument de la pression pour que je reste. Puis, Les 18 ans, dans vos 18 ans et moins, aviez-vous de l'anxiété ou c'est apparu comme ça à l'université? Non, c'est vraiment l'université. La marche entre le cégep et l'université était un petit peu trop élevée pour moi. Parce que il y a des cours qu'on demandait de lire 15 livres plates, juste pour un cours, là, juste 15 livres à lire, c'est beaucoup. Ça m'a surpris la charge de travail, puis j'ai comme pas été capable d'encaisser la différence entre le cégep et l'université. Puis j'ai mené, on veut bien performer, on veut livrer la marchandise, on va avoir des bonnes notes. Puis à un moment donné, ça devient tellement exigeant que j'étais là, soit que je décroche ou que je me suicide. Fait que j'ai choisi finalement de décrocher de l'université. Puis je pense que j'ai bien fait de décrocher. Oh! Ouais, toute une croisée de chemin. Je décroche. Ou je me suicide. Ah oui, c'était clair et net comme ça. Puis si j'avais à retourner, si j'avais retourné à l'école aujourd'hui au primaire, je décrocherais probablement en quatrième, cinquième année, quelque chose dans le genre. Parce que je trouve que l'école est devenue de plus en plus étouffante, puis ne laisse quasiment plus de place au masculin dans les écoles. Ça en est vraiment inquiétant. Oui. Parlez-nous de la place de votre masculin auprès de vos proches. Je vous dirais que je suis assez territorial. C'est-à-dire que je prends la défense de mes amis, de mes alliés. Je prends défense de moi. Puis, tu sais, je suis quelqu'un de gentil, mais il faut vraiment pas me piler sur les pieds parce que je suis devenu assez agressif. Là. Mmh.
Beaucoup la défense. Je prends la défense de ceux que j'aime, là. Je les protège, puis on s'arrange pour expulser les ennemis le plus efficacement possible. Quelle était ma question? La place de masculin dans les proches. Oui. Vous êtes très habile, vous êtes brillant et très habile à esquiver une question qui est embarrassante. Je le sais, ma question est vraiment embarrassante. Alors, vous allez nous parler de la pression, entre autres, pression sur votre masculin, contre votre masculin et pression à l'université. Pression contre le masculin, beaucoup la sexualité, entre autres. J'ai eu des parents qui étaient... Il ne fallait vraiment pas le faire, il ne fallait pas faire l'axe, c'était pas correct. Puis tu avais de côté des parents de ma conjointe, c'était la même chose, il ne fallait pas le faire. Jérôme, vous avez l'art de parler, vous êtes très articulé, vous êtes brillant et articulé, mais vous ne dites pas grand-chose. Alors, les parents, ça n'existe pas. Il y a 4 personnes auxquelles vous avez fait allusion. Alors, on appelle ça agglomérer. OK. Je vais être plus précis. À l'école, c'est qu'on ne me laisse pas aucune liberté de lire les livres que je veux, d'enquêter, de Non, non, en matière de sexualité. Oui. Et vous avez tenu des propos très nébuleux. Alors, semble-t-il, en matière de sexualité, il ne fallait pas faire l'acte. C'est ça. Bon, puis là, vous avez relié ça à vos parents et aux parents de quelqu'un d'autre. Des conjointes, oui. Oui. Alors, qui disait quoi? Soyez un peu plus concret, là, pour nous faire comprendre ce que vous avez vécu. C'est que... C'est simplement, on dirait qu'ils ne voulaient pas aborder vraiment le sujet. C'est à la base, c'est faites-le pour, point. Mais qui? L'interdit venait de qui? De ma mère, puis de des parents de ma conjointe. Bon, on va parler de votre mère. Racontez-nous ce qu'elle disait, racontez-nous ça. Vous avez quel âge, Jérôme, au fait? Vous avez quel âge, Jérôme? J'ai 40 ans, actuellement. Ah, OK, ça commence à faire ça fait un bail, là. Ou ça fait un bail. Alors, votre mère... C'était tout simplement, faut pas le faire, point final à la ligne. J'avais des livres sur la sexualité, elle me les a volés pour aller les acheter à la poubelle. Ma conjointe, c'est la même chose. Attendez, allez pas trop vite. Excusez-moi. Vous dites que votre mère vous a enlevé vos livres sur la sexualité pour les jeter à la poubelle. Oui, même chose pour ma conjointe. C'est une mère qui vous aimait. Pas vraiment, non. Oui. Pourquoi vous pensez qu'elle a jeté vos livres sur la sexualité à la poubelle? Je me pose encore cette question-là. Vous n'avez pas compris? Je viens de vous le dire. Vous n'avez pas écouté? Non. Excusez-moi, j'ai manqué un bout, là. Oui, je sais que vous avez manqué un bout. Je vous ai annoncé que votre mère l'a fait dans un geste d'amour. Je pense pas. Je pense que vous êtes sarcastique, probablement, monsieur Mayou. Non. Non. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus? Parce que, honnêtement, je comprends pas. Votre mère vous aimait. Vous aimait beaucoup. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je pense pas que c'est la raison. Vous étiez son chéri et elle a voulu. Elle a fait beaucoup pour vous garder à elle. Ah, OK, là, je comprends, M. Maillot. C'est possible, c'est une hypothèse qui se tient, là, mais je peux pas dire que c'est nécessairement ça. Mais je sais que la sexualité, chez beaucoup de parents, c'est un sujet qui est extrêmement tabou. Bye, Jérôme, non, merci. C'est pas chez les parents. C'est chez le parent de sexe opposé. Ou un parent de même sexe, dans le cas de l'ami de Jérôme, qui veut écraser son enfant du même sexe. Comment on explique qu'une aussi importante d'enfants, d'adolescents qui veulent s'enlever la vie. On a Caroline qui est éducatrice spécialisée. Bonjour, Caroline. Bonjour. Caroline. Bonjour à vous et félicitations pour votre émission. Je vous écoute pratiquement tous les jours et c'est du bonbon pour moi. Ça me fait réfléchir. J'adore. Oui. On vous écoute. Oui, moi, je suis éducatrice spécialisée, mais depuis maintenant 2 ans. Mais j'ai quand même de l'expérience dans le domaine. Je fais ça depuis que j'ai environ 16-17 ans, prendre soin de personnes déficientes, des enfants en difficulté. Présentement, là, je travaille avec des enfants en trouble de comportement, soit grave ou très grave. J'ai eu une année quand même assez rocambolesque. C'était très difficile parfois. Je vivais constamment des crises, des gestions de crise à tous les jours d'enfants différents, mais c'était souvent les mêmes.
des enfants qui viennent nous chercher parce que ils auront 5 ans, ils ont l'air totalement perdus par le milieu scolaire. Ils arrivent, sont pas préparés à l'entrée à l'école. Des fois, ils ont un bagage qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas toujours les parents. Donc, dès les premières journées, on peut observer des fois des crises. J'ai vu un enfant de 6 ans, pour le début de ma carrière, ça m'a forgé un caractère, prendre des ciseaux pour faire semblant de se mutiler. Mais tu sais, cet enfant-là, là, où il a vu ce comportement-là? Moi, là, c'est ça que je cherche toujours à savoir pourquoi il agit comme ça. C'est une détresse. Puis là, il y a la contamination aussi qui s'apporte par rapport à ça. Parce que là, tu vois les autres enfants autour. C'est quoi ça, ce comportement-là? Ils n'ont jamais vu ça, mais là, c'est en sorte qu'on doit gérer des crises avec d'autres enfants vulnérables. Puis c'est vraiment là, des fois, là, on peut être une semaine dans une classe à essayer de gérer là, des comportements. On délaisse les apprentissages juste pour essayer là, de remettre de l'eau sur le feu, puis pouvoir là, en faire en sorte que ces enfants-là soient bien quand même. T'sais, on... Oui. Fait que parfois, c'est pas évident toujours. Là, pour ces enfants-là, surtout, là, moi, je me mets à leur place. Là, je me dis, Caroline, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vivent dans leur tête, dans leur cœur, dans leur corps, à la maison, pour en venir à 6 ans, 7 ans, dire je veux me tuer, je vais aller me tirer en bas d'un pont? C'est pas normal. Là. Et comment avez-vous trouvé à date la collaboration des parents de ces enfants-là? Pardon, je vous entends. Comment avez-vous trouvé à date la collaboration des parents de ces enfants? Oh, c'est pas toujours facile. Je juge pas les parents, j'aime pas ça. C'est parce que chacun vit sa vie, là, chacun notre bagage. Mais pour moi, quand tu décides d'avoir des enfants, il faut que tu t'ailles les reins solides. Puis, des fois, j'ai l'impression là, que c'est comme si c'était moi la mère. Là. C'est moi qui dois gérer ça. Puis des fois, le parent arrive à l'école, ben. « Ah, vous le connaissez pas, puis c'est pas de même à la maison. Mais excuse-moi, mais ton enfant, c'est le bacon dans la classe, là, puis qui crie au meurtre, puis qui envoie chier tout le monde. Là. C'est pas sûr que c'est pas de même à la maison. Là. Peut-être de me chanter des bêtises, là. Voyons donc. Là. C'est pas parfait, ton enfant, à la maison. Là. Je veux dire, le problème, il part de quelque part. Là. À quel endroit vous êtes née, Caroline? Vous êtes native de quel endroit? Moi, je suis native du lac Saint-Jean. C'est peut-être pour ça le petit accent que vous entendez. De quel endroit? De Dolbeau, monsieur. De Dolbeau? Oui. Ouais. Et là, vous travaillez dans quelle région actuellement? Je travaille au lac Saint-Jean encore. Ouais, ouais. C'est pareil. Je ne suis pas c'est dans pareil. Les grandes villes. Je travaille pas vraiment avec des jeunes, peut-être. Là. C'est vraiment là, c'est bon. Alors, lac Saint-Jean. Là. Oui, les problèmes sont les mêmes. Mm. Alors que ce oui, soit parce qu'il ne faudrait pas attribuer les problèmes aux grandes villes, aux grands centres. Aux grandes villes, aux ethnies ou n'importe quoi. Là. Non. Ça n'a pas rapport. Hey, mais aussi non, jeune que 5, 6, 7, 8 ans, ça doit vous fendre le cœur des fois. Là. Ça fend le cœur. Puis moi, j'ai de l'amour à donner. J'ai pas d'enfant encore, mais je pense que je suis venue avec une arme pour en avoir. Oui, là, mais je suis pas prête. J'attends vraiment d'être prête à avoir les reins solides pour en avoir. Mais moi, ces enfants-là, là, ça me brise. Là, quand je pars à la maison, là, ils décrochent, madame. Mais oui, mais comment tu veux que je décroche? L'enfant, des fois, ils sont mal habillés. Ils ont les cheveux couettés. Ils se lèvent le matin, ils n'ont pas mangé. Moi, j'amène de la nourriture à la maison, puis un sac de pommes pour leur faire déjeuner parce qu'ils pleurent. Il faut que tu les consoles. Des fois, là, les enfants, là, pas toujours une déficience acquise, mais des fois, ils ont 5-6 ans, on dirait qu'ils en ont 2-3 ans. Ils sont encore au stade où ils ont besoin que papa, maman les console, les colle. Puis après ça, tu dis, viens t'asseoir sur une chaise, assis-toi, contrôle-toi. Mais leur cerveau, là, il n'est même pas capable de faire l'arrêt, de se dire, OK, là, je suis là, en un moment présent, je vais écouter l'adulte. Ils n'ont pas appris ça, ils ne sont pas prêts. Puis ça me fait le cœur, parce que la société, on voit le problème, mais on dirait qu'on fait un peu la sourde oreille dans le sens. C'est pas grave, ces enfants-là, de toute façon, on va être positif. On va inviter, les bonnes mères à se reproduire davantage et les pas bonnes à prendre beaucoup d'anticonceptionnels. Qu'en dites-vous? Et de stérilets. Non, ça serait pour le meilleur des deux mondes, je crois que ça prendrait quasiment une loi pour ça. Ben, non, Caroline. Non, pas une loi, une incitation, une invitation. Merci beaucoup, Caroline. Votre appel. Merci à vous. Au revoir. Avant d'aller à la pause, je veux lire Homme 18 ans. Oui. À l'âge de 15 ans, j'ai eu des pensées suicidaires. J'ai l'impression de m'avoir élevée seule.
Mon père m'ignore carrément et à chaque fois que je parle, il me dit que je veux toujours avoir le dernier mot. Je crois qu'il n'apprécie pas que je sois plus intelligent que lui. Et ma mère me dit que ce n'est pas de ses affaires. La situation dure depuis que j'ai 8 ans et même en famille, mon père peut même, lors de repas, en famille, m'humilier quand je dis mon opinion. Je reste chez eux car vu que je suis aux études, je paye rien. Fréquent. Ce n'est pas rare. Situation que j'ai entendue à maintes reprises. Alors, le parent de même sexe, dans bien des cas, se fait un devoir d'humilier, de rabaisser son enfant du même genre. Je ne l'ai pas inventé. Surtout quand il est plus intelligent que lui. Et oui, plus intelligent, plus beau. Et la mère déclare, « Ce n'est pas de mes affaires, mon chéri. » On va à la pause. Comment expliquez-vous cette hausse de 358% des jeunes de 18 ans et moins qui font des tentatives de suicide ou qui ont des pensées suicidaires? Vous le vivez de près, on veut vous parler. C'est une émission qui est quand même très difficile aujourd'hui. Il y a des gens qui réalisent plein de choses en passant. Juste en écoutant les histoires des autres. Je vais juste lire une auditrice. Elle dit, « Vos émissions sont toujours intéressantes, mais je dois dire que ce matin en particulier, j'apprends tellement de choses sur moi-même et des réponses à des questions que je me pose depuis plusieurs décennies. Merci infiniment pour ces lumières qui vont alléger ma vie. » On est bien contents. On est là pour ça. Oui, mais c'est une émission qui... Tu sais, pour essayer de le comprendre, là, ça prend beaucoup d'introspection, je pense. Puis, tu sais, vous le dites souvent, là, se regarder tel qu'on est, regarder nos parents tels qu'ils sont, etc. Ouais. Ça ne doit pas être évident, parce qu'on parle de tentatives de suicide, de pensées suicidaires chez les 18 ans et moins. Et c'est pas ça qui a augmenté de 358%. Il faut faire attention, parce qu'on ne le sait pas. Ceux qui ne vont pas à l'hôpital ne sont pas comptés. Là. Là, on calcule ceux qui se déplacent qui vont à l'hôpital, ça, c'est une augmentation de 358%. Fait que c'est une pointe de l'iceberg à quelque part, là. Définitivement. On va parler avec Cindy. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour. Mon nom est Cindy. En fait, j'ai 23 ans. J'ai fait une dépression majeure en secondaire 3 avec des tentatives de suicide et des pensées suicidaires. J'ai fait beaucoup de suivi avec une travailleuse en santé mentale puis tout ça pour trouver le pourquoi du comment à cet âge-là, pourquoi je le sentais pas bien à ce point-là. J'ai jamais vraiment su pourquoi. C'est pour ça que je voulais vous parler. Je pensais que je me sentais interpellée par votre question aujourd'hui. Oui? On vous écoute. Allez-y, continuez. C'est quoi votre hypothèse à vous? Je sais pas, je pense que le stress de l'école, même quand on est au secondaire, il y a vraiment le stress de performance. À mon âge, ben quand j'étais en secondaire 3, les réseaux sociaux n'avaient pas tant d'importance. Fait que c'est pour ça que quand les gens disent « Ah, oh, c'est les réseaux sociaux », automatiquement, je dirais pas vraiment ça. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux sociaux m'influencent et me font pas sentir bien à propos de moi-même parce qu'on voit tout le temps les gens sur Instagram, Facebook, ils vont bien, ils font de l'argent, ils font du voyage. Je pense pas que c'est bon pour la confiance en soi, mais je pense pas que c'est ça qui déclenche nécessairement des envies suicidaires ou quoi que ce soit. Exact. Alors, j'ai vraiment jamais su. Oui, c'est ça. J'ai vraiment jamais su. Écoutez, mes parents sont ensemble. Ça a tout le temps bien été à l'école. Avant que je fasse ma dépression, j'avais tellement d'amis. Je faisais des parties. Tout le monde me connaissait. J'étais la fille la plus populaire de l'école. Du jour au lendemain, j'étais plus capable de me lever de mon lit. Je me mutilais, je voulais plus rien savoir de personne. Je voulais plus aller à l'école. Je pleurais des heures et des heures. Ça a vraiment été une période floue de ma vie. Puis je sais vraiment vous aviez pas quel âge, oui? Vous aviez quel âge en secondaire 3? Secondaire 3, c'est quoi? C'est 14-15. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à 14-15 ans? Absolument rien, c'est ça mon point. Pourquoi je vous appelle parce que ça serait je surprenant. Sais encore pas aujourd'hui. Ce serait surprenant. Parce que c'est arrivé comme un coup de foudre. Exact. Comme la foudre qui est tombée sur vous. Exact. C'est assez rare que la foudre tombe à ce point, sans qu'il y ait de raison. Qu'est-ce qui se passait? Racontez-nous, à 14 ans, comment allait votre vie? Racontez. Bien, comme je vous dis, tellement bien. Je faisais plein de sports. Je faisais du chant, je faisais de la comédie musicale, je faisais tout ce qui pouvait.
C'est peut-être ça aussi, j'étais peut-être trop partout. J'avais peut-être, comme vous l'avez dit tantôt, on connaît plein de gens, mais il n'y a vraiment personne proche de nous. C'est vraiment difficile. J'ai vu mon médecin récemment, qui est vraiment un médecin assez spécial, qui m'a dit que quand on faisait des dépressions avant 18 ans, ça voulait dire qu'on était automatiquement bipolaire. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. OK. Parce que mon médecin, il est assez... il est flamboyant, il est spécial, puis il en invente un petit peu, mais lui, dès qu'il a vu comment que je filais, il m'a donné du Wellbutrin. Mm. Puis après ça, ben c'est ça, ça a commencé à filer, j'imagine. Trop partout, personne proche. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, tu sais, pour l'exemple de tantôt avec la personne, avec ses quatre grands-parents, puis... Non, oui, allez-y, oui, continuez. Ben, je sais pas, je me suis peut-être sentie interpellée parce que peut-être que je connaissais trop tout le monde, mais qu'il y avait personne proche de moi, si on veut. Il y avait personne proche de vous? Mais j'avais plein d'amis, comme... Oui. Mais peut-être, moi, ouais. Du passé, je sais pas. J'essaie de creuser avec vous parce que, comme je dis, j'ai fait un long processus d'évaluation avec une travailleuse en santé mentale pour Cindy, justement trouver le qu'est-ce pourquoi qui est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé de votre relation avec votre mère à 14 ans? Pas d'élément déclencheur, rien. J'ai toujours filé avec mes parents que c'était pas mes parents. Bon, que... attendez un peu. Oh, on touche quelque chose. Oui. Là, vous allez simplement répéter ce que vous venez de dire parce qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas bien entendu, là. Oui, bien, en fait... J'ai toujours filé... Oui, que mes parents, c'était pas mes parents. Que j'avais vraiment... Il n'y avait rien qui me rattachait à eux. Dans le sens où, tu sais, on dit la pomme tombe pas loin de l'arbre, mais moi, il n'y a jamais personne qui m'a dit ça, dans le sens où mes parents, pas sportifs, pas... T'sais, vous comprenez ce que je veux dire? Comme si c'était pas mes parents. Et ouais. Comment on vit ça à 14 ans lorsqu'on réalise qu'on a l'impression que nos parents sont pas nos parents? C'est difficile parce qu'on voit les gens tout autour de nous qui ont des bonnes relations avec leurs parents, qui disent « Ah, oh, moi, mes parents, je les aime. » Mais moi, je me souviens, à cette époque-là, je leur disais littéralement « Je t'haïs. T'es pas ma mère. » Fait que, tu sais, ça, oui, j'avoue que ça peut partir de là. Mais maintenant, à 23 ans, mes parents, tu sais, je les aime, puis tu sais, je les comprends. Mais je pense que ça, c'est avec l'âge, on comprend bien des affaires, on comprend que c'est pas si facile que ça, être un parent. Cindy, parlez-nous de ce qui s'est passé à 14 ans entre votre mère et vous pour que vous lui disiez « je t'haïs ». Ma mère avait comme un problème d'alcool puis d'agressivité. J'ai pris aussi avec le temps. Oh, problème d'alcool et d'agressivité. Ouais. Non, non, non. Oh, non. Oh. Ouais. À 14 ans, une mère qui boit, ça a l'air de quoi, chère Cindy? Ben, c'est surtout, tu sais, je pense que boire pour avoir du fun à Noël puis tout ça, je pense pas que c'est ça qui aurait pu déclencher quelque chose, mais. Elle était vraiment agressive. Elle a déjà genre brisé des fenêtres avec un poing, puis des affaires comme ça. Puis... En tout cas, là, dire comme mettre ses chaussures, puis dire genre je reviendrai plus jamais, comme dans des espèces de moments d'agressivité, puis tout ça. Mais comme je vous dis, c'était pas. Tu sais, moi, je le vois comme un élément déclencheur. Ça m'aurait marqué, non? Pas nécessairement. Ça peut être aussi un amas de plein de choses. Cindy, oui. Moi, vu de l'extérieur, OK? Il me semble oui. Voir ma mère briser une fenêtre avec son poing que ça m'aurait marqué, moi. Ou la peur à chaque fois que ma mère sacque son camp et qu'elle ne revienne plus. Vous trouvez pas ça important comme moment? Je trouve ça important, mais c'était pas. J'étais plus jeune à ce moment-là. C'était pas comme. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme non. Un genre de pang-pang. Tu sais, comme ça l'arrive, puis là, ça l'arrive. Ça a pas vraiment été comme. Tu sais, mettons, tu lances une rouge dans de l'eau, ben là, ça fait une goutte. Ça n'a pas été autant direct que ça. Bon, c'est pour ça que je ne l'ai vraiment jamais associé. Vous avez été suivi par quelqu'un, une intervenante ou un homme ou une femme? Une femme. Est-ce que vous lui avez raconté ce que vous venez de dire, qu'à 14 ans, vous avez déclaré à votre mère que vous l'haïssiez et vous lui disiez carrément en pleine face, c'était pas ma mère, elle avait un problème d'alcool, elle était violente. Est-ce que vous avez raconté ça à l'intervenante?
Oui, absolument. Oui, ça a vraiment été utile parce que dès que tu fais une intervention, c'est comme « Ah, oh, tes parents, tu remontes à la source. » Comment a réagi l'intervenante à ces confidences-là? J'imagine choquée, mais elle ne l'a pas démontré. Puis comme je vous dis, quand on a fini l'intervention, elle ne m'a pas dit « Ah, oh, c'est à cause de ça. » Elle a comme dit, tu sais, elle ne m'a pas, je sais pas. C'est encore, si vous dites que c'est ça, ça doit être ça, mais... Genre... Allez-y, lâchez-vous. Et ça a fini comment, l'intervention avec la... Vous dites... Elle est partie en congé maternité, puis j'ai vu une autre personne, puis ça ne fitait vraiment pas. Bon. Tu sais, quand t'as quoi, 14 ans, ça ne fit pas avec la personne, mais tu sais, ça ne tente pas d'y aller. Là. Ah, c'est avec la suivante? Oui, c'est ça. Racontez. Oui. Pardon? Elle était juste vraiment pain blanc. C'est une expression que j'utilise. Elle était comme, elle avait aucune personnalité. Elle posait pas les bonnes questions. J'avais pas envie de me confier à elle. Ah, celle qui a rencontré, celle qui a remplacé. Celle qui a remplacé. Ouais. La remplaçante, le pain blanc. Oui. J'aime ça. J'aime beaucoup votre expression. Mais avouez, hein, ça fit pour bien des personnes. Hein. Alors, ça s'est arrêté là. Et à l'heure actuelle, relation, oui. Comment va votre mère? Votre génitrice, c'est-à-dire? Parce que une mère, vous n'avez pas eu. Oui? Oui, ça va bien, comme je dis, avec l'âge. Tu sais, à 23 ans, tu commences à comprendre non, les affaires. Non. Comment va-t-elle? Est-ce qu'elle boit encore? Est-ce qu'elle est encore violente? Non, pas violente, mais elle boit une fois de temps en temps. Puis moi, ça m'horripile au plus haut point. Là, dès qu'elle commence à comme déparler, c'est comme parler comme si elle était saoule, là, ça vient me chercher, là. À quelle fréquence qu'elle s'enivre? Je dirais comme une fois par semaine, peut-être. Une fois par semaine. Et elle vous appelle ou elle vient chez vous quand elle est saoule? Non. Mais tu sais, à des parties de famille, mettons... Est-ce que ça lui arrive de conduire en état d'ivresse avancé? Non. Même si on est au Saguenay, elle ne fait pas ça. C'est ma blague. Alors, je la reçois bien. Oui. Ouais, ça fait que vous êtes tombé sur un pain blanc après l'intervenante qui avait pas trop envie de blâmer votre mère pour être responsable de la mauvaise relation mère-fille. Est-ce qu'on a bien compris? Oui. Pas facile pour les intervenantes de voir les mères telles comme elles sont, n'est-ce pas, cher ami? J'imagine qu'essayer de trouver quelque chose de plus... Alors ça, c'est vrai au Saguenay, puis c'est vrai partout au Québec. On doit se quitter là-dessus, Cindy. Merci. Merci d'avoir appelé. Mais le réflexe de protéger les parents, la mère, est là. Pas juste chez les intervenantes, là. Ouais. La mère fut une intouchable au Québec pendant longtemps. Elle était la descendante de la Vierge Marie. Non, mais même pour l'enfant qu'il vit, pas besoin d'une intervenante, là. Ta mère qui donne un coup de poing dans la fenêtre puis que ça brise puis qui veut tout le temps sacrer son camp... Puis malgré ça, Cindy protège sa mère, là. Ouais. Aïe, aïe. Ouais. Aïe, on a pris du retard un peu. Le pain blanc. Oui, on va la retenir. On va à la pause. On vient tout de suite. Il est déjà 10h49. Oui. Minutes. On va parler avec Vincent, qui est éducateur spécialisé. Bonjour, Vincent. Oui, bonjour. En fait, je spécifie, je ne suis pas éducateur spécialisé. Je suis éducateur auprès de la petite enfance. Ah, OK. Alors, dans les garderies de Pauline. Hein? Garderie d'État? Ça a déjà été le cas. Maintenant, je suis en milieu non subventionné, mais je pense que les réalités, peu importe de qui elles viennent, sont toujours les mêmes. Lâchez-vous, Vincent. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans le métier. C'est un métier que j'aime beaucoup. Oui. Mais je trouve que beaucoup de parents, pour une raison qui m'échappe, mettent de la pression sur des enfants aussi jeunes que de 2 à 3 ans. Expliquez-vous. Et je pense que ça a un lien. Expliquez-vous. Si, par exemple, je vais donner un exemple bien concret. Oui, moi, je me souviens d'un garçon qui avait des cours des cours de loisirs à tous les soirs. Oui. Il arrivait, les parents arrivaient pour venir le chercher. C'était, exemple, Pierre-Antoine, dépêche-toi parce qu'on a un cours de karaté ce soir. Puis demain, c'est un cours de natation. Puis demain, c'est un cours de soccer. Puis avec l'enfant, quel âge, vous avez dit? Celui-là là, devait avoir 4 ans à peu près. Il y avait un cours tous les soirs. Il y avait toujours quelque chose à faire. Il était sous pression, là. Et
à cet âge-là, son comportement se ressentait en faisant part d'agressivité. Mais aujourd'hui, je l'imagine, il doit être autour de 13-14 ans. Mais si ça continue comme ça, c'est quoi qu'on ressent à force de garder une pression de même qu'on n'est pas toujours capable de gérer? C'est quoi qu'on ressent? C'est comment ça peut sortir? Ben, ça se pourrait que ça ressorte avec des envies suicidaires parce que honnêtement, je suis pas certain que tous les cours auxquels il était inscrit, c'était des choses qui l'intéressaient. C'était probablement un envie de bien faire de la part des parents, mais qui n'était peut-être pas à l'écoute de leur enfant. Quand on n'écoute pas ce que les enfants ont comme envie, si on transmet nos passions auprès des enfants qui ne veulent rien savoir, comme j'en ai déjà vu, ben ça crée des problèmes. Puis je pense que ça crée des frustrations avec lesquelles on n'est pas en mesure de gérer. On ne pourra pas vous enlever votre expérience, ce dont vous avez été témoin, n'est-ce pas, Vincent? J'espère, en tout cas. Merci de votre appel. Merci. 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 Bravo pour votre émission. Merci. On va terminer rapidement avec une éducatrice au primaire, Sonia. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, félicitations pour votre émission. Puis ce matin, vous m'interpellez énormément. En fait, moi, je suis éducatrice spécialisée depuis 17 ans. J'ai fait des recherches lorsque j'ai commencé à étudier sur le lien d'attachement au cégep. C'est quasiment fait pitcher des roches, surtout parce que c'était en milieu garderie et ils n'ont pas aimé ça. Après, la suite, pourquoi que vous m'interpellez? Parce que je travaille en milieu primaire dans les écoles et au niveau de l'anxiété et les idées suicidaires, depuis quelques années, effectivement, ça l'a augmenté énormément. Puis quand je dis augmenter, on parle pas de... Je pourrais dire des enfants de 7 ans. Puis quand on parle d'idées suicidaires, là, c'est que le plan il est fait. Ils savent ce qu'ils veulent faire, où ils vont le faire et quand ils vont le faire. Quand tu appelles un parent puis que ce parent-là te dit « Ah, il manipule », les gens me scient. Parce que, là, excusez, hein, je suis nerveuse. Sonia, vous faites bien ça. Oui. On vous écoute fidèlement. Continuez. Alors, donc, vous appelez. Est-ce que vous pourriez préciser le genre? Quel est le genre du parent le plus souvent qui vous dit « l'enfant manipule »? Vous savez, c'est encore surprenant. Souvent, on va dire que c'est des familles dysfonctionnelles. Oui, c'est ma clientèle. Mais on vous perd. Oh. On parle de parents d'universitaires. Puis quand Doc Mayo dit genre, c'est-tu le père, la mère? Ah, ben. Je devrais pas dire ça, là. Non. Parce que souvent, la première personne qu'on appelle, c'est toujours la mère, là. Okay. Et donc, oui, effectivement. Fait qu'ils ont de la misère à vous croire que leur propre enfant a des pensées suicidaires. Oui. Oui, parce qu'ils peuvent pas concevoir qu'ils ont ça. Pour eux, ils sont là, ils sont présents pour leur enfant, mais en fait, ils sont absents. Ils sont absents. On se dit être présent, on est à la maison, tout le monde ensemble. Ben oui, mais tout le monde est sur leur cellulaire, tout le monde est ailleurs autre qu'être ensemble. Être ensemble, là, c'est pas Sonia, être dans la même pièce. C'est Sonia, plus que ça. Oui? Sonia, je vais devoir vous interrompre sur un point. OK. C'est pas vrai qu'il y a des mères qui sont sur leur cellulaire ou sur Facebook, en présence de leur jeune enfant. Ça n'existe pas au Québec, ça. OK, je viens de comprendre de quoi, là. Le problème des réseaux sociaux, c'est pas à cause des enfants, c'est à cause des parents qui sont là-dessus au lieu de s'occuper de leurs enfants. C'est la mère qui est là-dessus au lieu de s'occuper de ses enfants. C'est ça. Ouais. Effectivement. C'est ironique, là, mais c'est un peu comme ça qu'il faut regarder ça. Ouais. Oui. Puis quand on amène... ce point-là, parce que, tu sais, c'est certain que quand je suis devant le parent et que je lui parle, je peux pas lui emmener ça flaque d'un dent, tu sais. Il faut être une vraie languille, il faut contourner, il faut emmener ça, là, d'une façon, là, ça prend de l'or. Pour emmener le parent à réfléchir. Si
si j'y amène direct dans les gangs où est-ce que je veux m'en aller, je me fais ramasser. C'est clair. Fait que j'ai appris avec les années à mettre des gants, puis à contourner, puis à amener le parent à réfléchir. Et non à réagir. Réfléchir à quoi, Sonia? Quand que j'amène le parent à réfléchir, c'est que j'amène le parent à réfléchir par rapport à l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant a besoin? C'est quoi qu'il a besoin? Il a besoin qu'on le regarde avec des yeux d'amour. Sonia, dans le sens que, oui? Ça ne peut pas mieux terminer l'émission. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement, là, mais vraiment, merci, merci. Non, je sais pas, Sonia. Merci. Bye. Vous êtes à la bonne place, hein? Sonia, est à vous êtes à la bonne place, hein? Vous j'espère. J'espère que je ne suis pas un pain blanc. C'est bon. Hey, bye, Sonia. Merci bye beaucoup. Bye. On ne peut pas mieux terminer l'émission. Merci beaucoup à tout le monde. Oui, merci, chers auditeurs. Ouais. Merci, Alexis. On se retrouve demain pour une autre émission. Bye. Bye, José. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mailloux et José. Avec Doc Mailloux et José Arsenault.